Tu vas m'obliger à te courir après, pas vrai? Seth doit faire plus attention avec ses expériences. Capitaine ? Persévérant. Retrouvez votre force. Il reste beaucoup de nazis à tuer. Moi, capitaine. Vous revoilà, Simpson. Alors, ce stand de tir. Ah, très bien, Yingele. Vous êtes un sacré numéro. Herr Blaskowitz, votre dame Anya, elle vous cherchait tout à l'heure. Oh, oui. Anya a trouvé les notes de Caroline sur la cellule de résistance de New York. Allez la voir, elle est dans la chambre de Caroline. Oui. Connaissez-vous Dikeva, Cassette ? Oui, toi, mais... Toujours son odeur. J'ai trouvé les notes de Caroline sur le réseau de résistance américain à New York. J'ai leur position exacte. Tu veux bien chercher Fergus pour moi? Il est enfin remis sur pied après l'opération et je lui ai demandé d'aller me chercher de la nitroglycérine au dépôt de munitions. Mais il est toujours pas revenu. Va au dépôt, près du stand de tir et retrouve-le. Il faut rassembler tout le monde pour préparer notre prochaine action. Nous sommes presque arrivés à New York. Comment lui dire que je vais te rejoindre, Caroline, et la faire regarder mes derniers instants? Elle le sait peut-être déjà, mais fait semblant de l'ignorer, comme moi. Ça va, Fergus? Comment va ton bras? S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois qu'elle essaie de me buter, Blasco. Tu t'es déjà endormi paisiblement pour te faire réveiller par ta propre prothèse qui t'arrache les yeux. J'ai dû la désactiver. C'est normal.
T'en as parlé à Seth ? Il a parlé d'une courbe d'apprentissage. Et Seth, sur toi, il faut que tu lui fasses comprendre que c'est toi le patron. Ouais, t'as raison. Bon, toi, tu veilles au grain et tu te tiens prêt à intervenir si tu sens que je suis sur le point de crever. Voilà. C'est ça. Allez, viens par ici, ma jolie. Voilà, gentil. Ah, fais chier! Putain de chienne traîtresse! Arrête! Arrête ça tout de suite! Allez, je te tiens. Maintenant, tu vas m'écouter et te calmer. C'est ça, gentille fille. Voilà, voilà, gentille. Est-ce que ça va, commandant? Tu tiens le coup? Ouais. Tout est bonnard. Ouais. Pas un peu de travers. Ok. Salle des commandes dans 5 minutes. Je viens de relire les notes de Caroline. Le groupe de résistants de New York qu'elle avait approché se cache au sommet de l'Empire State Building. Seth, l'altitude élevée entraîne sans doute un niveau de radiation tolérable, non ? C'est évident. D'accord. Le problème, c'est que si on y va comme ça, avec nos hélicos nazis, on est sûr de se faire abattre. On peut pas rétablir le contact et leur dire de pas tirer sur nos hélicos ? J'ai regardé, mais je n'ai trouvé aucun moyen de les contacter dans les notes de Caroline. Bon sang. Alors il va falloir les approcher depuis le sol. Se présenter correctement en face à face. Au niveau du sol, la ville est entièrement saturée des retombées de la bombe atomique. Les niveaux de radiation sont mortels, sans équipement de protection. Oui, Anya. Bon, ceci... Cette armure protégera de toute radioactivité. Ah, t'acceptes, Blasco ? Ou est-ce que tu te sens trop faible et inutile ? J'ai toujours voulu voir New York. Parfait ! Bombay, tu lui sers de chauffeur ? Aucun problème, commandant. Je peux vous être utile ? J'en sais rien, fillette. Tu peux ? 5 degrés bâbord et après, il faut continuer tout droit. Compris, blondinette. Hé, mon pote, t'as intérêt de faire gaffe aux crocos, hein ? Aux crocos ? J'ai entendu que les égouts de New York étaient remplis de crocodiles. Aucune idée. Je viens du Texas. Les enfants, vous n'êtes plus, mais j'entends encore vos cris silencieux. Va falloir que je fasse fondre des trucs pour faire une ouverture. Blasco, faufile-toi dans ces ruines jusqu'au State Building. Le plus rapidement possible. Fergus, terminé.
alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl! À cause du nombre de victimes de la bombe atomique. Ja, hätte ich auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Sind ja selbst schuld. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Nein, ich meine, hier sind garantiert mindestens drei Menschen verreckt. Kann ich nicht zählen, Tämchen an mich. Stimmt, ja. Und was ist mit ihr? Hat er doch rausgehört? Nein. Yeah, I'm not...